C'est la fête de Saint-Éloi, donc c'est des maréchaux de toute la France qui se réunissent une fois par an, tout le temps le même groupe, et qui forgent devant le public quoi, des fers et tout un tas de trucs qu'ils assemblent dans un bouquet de Saint-Éloi qu'ils offrent à la commune qui les reçoit. Et ça, ça a été organisé par une association de Plougonvert qui s'est montée pour animer un petit peu le bourg qui s'appelle Plouf, Plougonvert Festif. D'accord. Voilà. Et donc là maintenant, on va aller voir, il y a un charpentier qui va monter une structure en bois pour recevoir le bouquet de Saint-Éloi qui est ici, quoi, hein, et qui n'a pas encore les fers, mais donc on assemblera demain. Quoi. Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Des balèges ! Eh ben, un lapin, il est en train de parler devant une caméra parce qu'ils vont lever une charpente là. Qu'ils ont fabriqué d'avance toute la journée pour recevoir le bouquet de Saint-Éloi que 22 forgerons ont mis en œuvre ce week-end. Ben en fait, là, on va se pousser un petit peu pour laisser passer tous ces gens-là qui ont travaillé tout le week-end sur la charpente de la Saint-Éloi. On organise tous les ans avec une équipe de forgerons qui viennent de partout en France. Donc ça change de région tous les ans. Et c'est offert toujours à la commune où on le fabrique. Plein de tranchées, Saint-Éloi. On voit pas la couleur du truc parce que c'est du cuivre, alors ça ne... Saint-Éloi, qui est surtout célèbre parce que, comme chacun sait, il a invité Dagobert à remettre sa culotte à l'endroit, bénit ce bouquet de Saint-Éloi, bénit nous tous par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alhamdoulilah, ça c'est en communion avec nos frères musulmans. Ça évitera peut-être des guerres. Merci mon père. Merci mon père. Les champs masturbés, les éléphants, et on entend dans les bruits circulaires et on entend ces ormeaux battre la mer d'un coup de marteau, et on entend dans le plumard battre le fou d'un coup de marteau. Non, 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 Saint-Éloi est plus beau. Non, 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 Saint-Éloi est plus beau. Car il monte encore, car il monte encore. Alors, heureusement, la légende chantée n'accompagnera pas la photo.
Donc moi je viens de Bourberin, c'est juste entre Bèze et Fontaine Française en Côte d'Or. François ? Moi je viens de la Haute-Loire, j'habite à Sainte-Sigolène, entre Saint-Étienne et le Puy-en-Velay. Pierrot ? Moi je viens de Sopléau, c'est dans le Haut-Rhin, c'est entre Morsulaire et Sopleba. Merci. Moi je m'appelle Jean-François, je viens de Bourg-Argental, c'est en dessous de Lyon, à côté d'Annonay. Moi je m'appelle Dominique, je viens de Pélussin donc, et puis c'est entre Lyon et Saint-Étienne. Ah ouais, c'est bien. Et donc moi donc, je viens du Puy-en-Velay qui se trouve entre Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Et l'année prochaine donc, c'est moi qui l'organise au Puy-en-Velay. Vous êtes en Black, regardez. Mais on peut donc faire des gars on dit qu'est-ce que c'est pour la Qu'est-ce que tout nul va au Petro B Rock. Mais lorsque Real Gosier est rigoné à Drombac, il y a eu. Mais malheureux qu'on a hésité quoi, le PVI dit souvent. Mais de Houls, ja, hij maar liefst te gooien. Nee, maar ik wil wel een keer zeggen, maar ik heb nog een tijdje niet meer gehoord bij mij, maar ik ben niet bij jou, maar ik heb nog een beetje. Ik ben nou een facteur in de jongen. Mais Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Ah, bah, mon village, moi, où Marie-Chalier. Ben, Marie-Chalier, ah, de Houls, où meilleur, il y a pas de plus Tri-Bas-Bourg. En een deel waar een handpijn. Duw ter gazig wat piep firm. Maar we hebben daar niet goed aan je. Maar het is Jean-Baptiste om te trakteren. Ja. Maar wat gaat dat in de hoed zeggen? Maar misschien ben ik wel goed aan de kies. Ik ben nu ben wel een beetje met mijn duw. Maar geen leuk momentje ben dan we prijnen een trakte. Ben we niet meer ben dan we prijnen een trakte. Het is nu kun je goed aan. Wel me goed aan die boterier. Wat je? En een. Plaatje getasje bij me goed aan. En de school voor wie daar in teugen. En de bijen wie je maait, al roezen de last en goed. Maar hoe is wel weer aan? Hoe is de last? Ja, niet voor een peer. Vriendje, oh, bij psalm.